Bonjour les lions, nous sommes ici pour les énergies du mois d'août 2021. Alors, j'ai tiré les kings, je suis tombée sur l'hexagramme 46, la poussée vers le haut qui est un super hexagramme. Vous avez deux mutants qui sont bons aussi, qui montrent qu'en fait la voie est libre, entre guillemets, pour aller de l'avant. Je vais tout de même tirer les cartes. Ah oui, tout cela vous mène vers le 19, l'approche. Je vais tirer les cartes et je vous donnerai plus de précision. Ben, j'ai l'impression que ça se décoince pour vous, parce que c'est vrai que ces derniers mois, c'était pas forcément, c'était un petit peu coincé pour vous, j'ai l'impression. Vous avouez quand même le valet de coupe à l'envers. Bon, désolé, mois de juillet, je n'ai pas pu, comme je suis en plein déménagement, emménagement plutôt. Hop. Je n'ai pas pu faire tous les signes au mois de juillet. Le chariot à l'envers. Deux as, dis donc. On a l'as, as de denier, as de bâton. Qu'est-ce que vous faites? Pas vous que je parle, c'est à ma chienne. Je vous vois, mes ma chiens. Tout va bien? Tout va bien. Le monde à l'envers. Trois arcanes majeures sur six, c'est pas mal. Ah bah tiens, voilà, et bah, on a un super de deck. Bon voilà, la voie préférable, c'est vraiment d'entretenir la passion au quotidien. Voilà. C'est-à-dire cette chaudière, la passion est comme une chaudière qu'il faut entretenir de manière mesurée, ne pas faire chauffer trop fort pour que cela dure. Voilà, faire durer la passion. La passion, c'est pas forcément envers quelqu'un. Quoique nous avons eu deux de coupe à l'envers, qui augure le fait d'être en mesure d'ouvrir son cœur. Cela, c'est un enjeu. C'est-à-dire, vous êtes en train de laisser la place à l'ouverture du cœur. Mais pour cela devra passer vers voilà, un équilibre du feu, de la passion en vous-même et avec les autres. Pour le coup, c'est-à-dire savoir vous dispenser avec mesure, mais pas une mesure lourde. Voilà, vous êtes en train de vous débarrasser d'une lourdeur. Donc nous avons la poussée vers le haut qui rencontre la confiance apporte une grande fortune. C'est ici le début de l'ascension. De même qu'en vue de la poussée vers le haut, le bois tire sa force des racines qui se trouvent sous lui, la force que réclame la montée émane de cette place. Elle est inférieure et inconnue, mais il existe une certaine parenté intérieure de l'être avec le souverain d'en haut. Et cette communauté fait naître la confiance dont on a besoin pour pouvoir réaliser quelque chose. En fait, ces deux cartes, hein, symbolise finalement le fait que vous êtes en mesure d'abandonner déjà la condition sine qua non, c'est d'être en mesure d'abandonner avec sagesse quelque chose qui n'est pas possible. Et c'est ça qui vous permet de reprendre confiance en vous. Cette confiance, le chariot à l'envers est souvent préfiguré et souvent vu comme une impossibilité de mouvement. Pas du tout avec ce jeu. C'est plutôt l'idée que plutôt que d'être rigide dans le fait d'aller d'un point A à un point B, vous acceptiez que le chemin, d'être curieux sur le chemin plutôt que vers la destination. Et c'est ce qu'on vous dit avec ce mutant. Voilà, on vous dit que vous êtes en train, vous avez cet élan, d'ailleurs cet élan est maintes fois signifié, vous avez cet élan
commencer son mois avec cette présence d'esprit qu'il faut y aller, que vous pouvez y aller. Mais tout cela repose sur la sagesse de laisser quelque chose de côté. Voilà. Quelque chose qui tient à cœur, soit. Mais ce n'est pas un sacrifice. C'est le fait, c'est peut-être une habitude. Cela peut être une habitude ou ce peut être aussi le fait que vous, peut-être que vous vous mettiez à... Bon, comme je vous l'ai dit, il y a une prise de confiance sûre et certaine à vous détacher de certaines envies qui sont obsolètes. À mon avis, c'est plus ça. Ce peut être aussi une... Vous détacher de quelqu'un ou... J'ai l'impression que c'est plus du point de vue des affaires, des entreprises. J'aimerais avoir une confirmation. Je vais prendre les rêves enchantés, le Normand, sur cette situation. Un peu plus de précision sur cette situation. Et ça, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui ne ressort pas dans le jeu, mais qui vous inspire à aller de l'avant. Ou un signe. Quelque chose vous inspire à quitter une situation, à quitter un état d'être. C'est ça. Nous avons la boussole. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rediriger. Mais on vous demande quand même, dans un premier temps, donc ça c'est là, hein, c'est maintenant, au moment, c'est l'état dans lequel vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a quelque chose du passé qui ne convient plus, vous en avez conscience, et c'est quelque chose d'extérieur qui va vous prouver que vous êtes capable. Voilà. Quelque chose vous redonne confiance en vous. Et la boussole, quand je vous dis ne restez pas rigide, vous en avez conscience, vous devez bouger parce que vous devez quitter la borne, ce qui vous borne, ce qui vous limite. Vous connaissez vos envies, vos capacités, mais on vous demande quand même de rester flexible, de rester ouvert sur le chemin plutôt que sur la destination. Oui, je me répète, mais c'est vraiment ça. 9 à la troisième place signifie on pousse vers le haut dans une cité vide. Ici, toutes les obstructions qui entravent généralement le progrès tombent. On va de l'avant avec une facilité remarquable. On suit cette route sans hésiter pour exploiter son succès. Vu de l'intérieur, tout paraît être parfaitement en ordre. Cependant, l'oracle n'ajoute aucune promesse de bonheur. La question se pose de savoir combien de temps dure un tel progrès sans obstruction. Il convient pourtant de ne pas se laisser impressionner par des réflexions de ce genre qui ne feraient qu'entraver la force, mais de se hâter d'utiliser les circonstances favorables. Et là, nous avons, pour illustrer cette ligne, ce mutant, deux as. Voilà. Donc, on sait très bien que l'as de denier, c'est les opportunités, mais c'est pas que. Là, c'est plus l'opportunité de... C'est l'opportunité de durer, c'est l'opportunité d'être crédible. Un retour de bâton positif, j'ai envie de dire, dans le sens où on est sûr de soi, on est confiant, on a les signes que les choses vont... Je viens de découvrir qu'il y avait un cœur gravé sur le mur en face. Que vos idées sont... vont fructifier. Que vos idées vont donner leurs fruits. Voilà, que vos initiatives vont donner leurs fruits. Mais on sent quand même que le petit hic qui se retrouve à la fin, à la troisième ligne, montre que vous êtes encore, non pas indécis, mais presque apeuré par la facilité avec laquelle soudainement vous avancez facilement. Je vais tirer une carte de l'amour. Et oui, c'est ça, labyrinthe. Vous êtes encore un peu... c'est pas l'indécision, parce qu'on voit que l'idée est là, la confiance est là, mais c'est comme si vous n'étiez plus habitué à ce que les choses soient simples.
Et vous êtes encore sous le joug de la complexité passée. Vous vous dites, est-ce un piège? Vous êtes encore mentalement, bien qu'on n'ait pas trop d'épée, mais peu importe, à vous demander si vous allez trouver le bon chemin, en fait. Tout cela mène vers le 19. Et voilà, c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi on a le 19. Quelle approche? L'approche est un super hexagramme, mais c'est une l'approche possède une sublime réussite. La persévérance est avantageuse. Lorsque vient le 8e mois, c'est l'infortune. Donc, c'est une ère de progrès, pleine d'espérance joyeuse. La joie et la facilité d'humeur rapprochent l'un de l'autre le haut et le bas. Là, on vous dit que tout est favorable, mais vous avez toujours en tête le fait que cette situation ne va pas durer. Et ça, c'est votre situation à la fin du mois. C'est-à-dire que votre confiance, ce n'est pas que votre confiance soit ébranlée, mais c'est que vous avez conscience que la situation actuelle va décliner si vous n'y mettez pas du vôtre pour la faire perdurer. Encore le Normand. Ah, c'est ça. Nous avons le cavalier. Parce que nous avons quand même deux cartes fortes. Nous avons la papesse et le monde à l'envers. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez recevoir sur la fin du mois des indications vous permettant de rester, vous faisant comprendre qu'il faut garder une certaine réserve, non seulement sur vos projets, mais aussi sur votre épanouissement personnel. C'est-à-dire, vous allez décider, attendez, de vous préserver du déclin inévitable. Pourtant, de très belles cartes, hein. C'est-à-dire, c'est comme si, pour pérenniser cette libération, parce que vous êtes en libération, vous sortez d'un long blocage où les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez, ou aussi vite que vous le souhaitiez, ou avec les gens que vous souhaitiez. Le monde à l'envers, la papesse à l'envers déjà. Vous persévérez dans l'équilibre, vous persévérez dans la maîtrise et la mesure. C'est le symbole de l'épée, en fait. Donc, vous mentalisez un éventuel échec. On a trois clés là, hein, purée. Vous préférez rester sur la retenue dans certains domaines. Et je pense que c'est la communication, peut-être. Par peur que les choses avortent, que votre avancée avorte. Vous voyez? C'est-à-dire que la papesse à l'endroit, on voit la papesse comme celle qui sait tout, qui est au courant de tout, mais qui ne voit pas. J'ai la carte de vue secret, celle qui connaît les secrets et qui les utilise à bon escient, ces secrets, qui se permet de donner des directives, de donner des avis, de donner des conseils, qui ne se gêne pas pour utiliser son savoir. Et là, non, vous ne le faites pas. C'est comme si vous n'étiez pas encore en mesure de mettre en pratique votre savoir. Comme si vous deviez encore le maturer avant de mettre au monde, de vous mettre au monde, de mettre au monde votre nouveau moi, votre nouveau vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, allez. Je vais quand même l'amour. Donc, mais vous avez raison, c'est-à-dire que l'approche, vous sentez, il y a de nouvelles connexions. Okay. Votre vie amoureuse. Hop, comme ça. Ok. Bon. Que disais-je? De nouvelles connexions sont là. Tout
porte à croire que la réussite est assurée, mais vous savez, vous avez conscience du déclin inévitable si on ne serre pas les rênes, si on ne maîtrise pas certains plans de l'existence. Pour ce qui est de l'amour, nous avons votre vie amoureuse est influencée par les enfants. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, et exprimez votre amour. On vous voit dans une, en train de quitter une tendance peut-être sacrificielle. Votre vie est amoureuse est influencée par les enfants. Ah ben non, ben je fais passer le devoir d'abord. En deuxième phase, vous reconnaissez, c'est très en phase avec le tirage en fait. Vous sortez de là, vous sortez de cette situation où vous, finalement vous mettez l'enfant, ou les enfants ou la vie familiale comme... comme un prétexte à ne pas faire ce que vous souhaitez vraiment. La deuxième ligne exprimée par les deux as, les deux as, oui, c'est bien votre âme sœur, il y a une révélation. Et en troisième position, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Mais vous ne le ferez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore en mesure de le faire. C'est-à-dire vous ne serez pas à la fin du mois en mesure, voilà, papesse à l'envers, monde à l'envers, vous aurez connaissance sentimentalement de votre de la voie à suivre, mais vous aurez encore à travailler, c'est en enjeu, n'est-ce pas? Votre équilibre passionnel, de savoir le dispenser et de vous le dispenser avec équilibre et de manière égalitaire, j'ai envie de dire, et de concevoir en votre sein ce que vous souhaitez réellement. Avant de l'offrir au grand jour. C'est-à-dire déjà, il faut le concevoir avant de le voir. C'est quand est-ce qu'on se voit, hein, qu'on se voit. Voilà. Ben, vous avez un jeu super sympatoche. Ça va, les lions, hein, vraiment. Je trouve que c'est mieux que ces derniers mois. Vraiment, il y a du mieux. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cela vous aidera à garder le cap. À vous, comment dire, à vous motiver davantage parce que visiblement les conditions sont réunies pour aller de l'avant. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez un message privé. Armoire.